Shalom à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Maintenant, ce n'est plus 2 étoiles, c'est 3 étoiles. Maintenant, c'est plus 2, c'est 3. J'aimerais m'adresser aux jaloux, aux aigris, aux tokonini, aux calamars et aux chibagors. Cette bande de pays aigris, il n'y a même pas de pays, des habitants de certains pays aigris, qui toute leur vie, oh la Côte d'Ivoire a triché, oh la Côte d'Ivoire est championne, mais elle a volé la Coupe d'Afrique. Hey, c'est ton papa qui est voleur, c'est ta maman qui est voleuse. Il dit, fermez vos gueules. Vous êtes allé sacrifier des moutons, non? Vous dites, cet homme dit la justice de Dieu, non? Je ne parle pas de tout le monde, hein? Je parle des aigris, ceux qui sont dans ces pays aigris et qui ont mal dans leur cœur. De voir que Dieu a béni la Côte d'Ivoire. Ça vous fait mal. Hein? Vous étiez sûr que la Côte d'Ivoire allait être éliminée. Vous étiez sûr que c'était terminé pour nous. Vous avez même fêté notre humiliation, notre défaite. Je vais vous donner un petit conseil. Faites ce genre de plaisanterie avec d'autres pays. La Côte d'Ivoire s'appelle le terminus des aigris. Dieu vous a prouvé que sur tout le continent africain, le pays qu'il a choisi pour faire exploser sa gloire s'appelle la Côte d'Ivoire. Ce que vous avez vu dans la Coupe d'Afrique n'est qu'un petit, juste un petit goût de ce qui arrive. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est au niveau du métaux. Mais ça, ce n'est que le début. Ce pays que vous voyez sera, je peux le dire, le Dubaï de l'Afrique. Aujourd'hui, tout le monde rêve de venir voir la Côte d'Ivoire. Personne ne rêve d'aller voir votre pays. Vous devez vous poser des questions. Aujourd'hui, je vois des personnes qui, au lieu d'être heureux pour les Ivoiriens, même dans notre joie, vous voulez nous lancer des piques. Vous voulez vous moquer. Vous voulez nous jalouser. Vous voulez nous blesser dans notre joie. À un moment donné, vous devez avoir la capacité de dire, nous avons comploté contre ce pays. Si Dieu n'était pas avec la Côte d'Ivoire, ayez toutes les relations que vous voulez. Côte d'Ivoire n'a pas de relation que le Nigeria. Première puissance économique. Les hommes d'affaires nigériens sont venus en Côte d'Ivoire avec 100 jets privés. Ils étaient sûrs de repartir avec la coupe. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que Dieu a décidé en 2024 d'être avec la Côte d'Ivoire. Donc, que tu sois sorcier, maudit, aigri, tu dois reconnaître que Dieu a béni ce pays. Il n'y a rien dans la jalousie. Ils ont essayé, ils n'ont pas pu. Nous avons organisé la plus belle de Coupe d'Afrique de l'histoire de la CAN. Confession dite par la CAF. Jamais, sinon on peut donner le nom, un pays a organisé une compétition aussi réussie, aussi festive, aussi suivie, aussi visitée que la Coupe d'Afrique. Tous les jours, les gens pleurent pour avoir des tickets. Certains pays, jusqu'à ce que la fin du monde arrive, ne pourront jamais le faire. Je tiens à féliciter les Guinéens. Les Guinéens, vous, tout mon cœur, je vous félicite. Les Béninois et les Togolais, vous avez supporté la Côte d'Ivoire. Les Gabonais, je vous tire le chapeau. Vous avez soutenu la Côte d'Ivoire, bec et ongle. On n'a jamais entendu un ressortissant de votre pays souhaiter le malheur de notre pays. Vous avez poussé la Côte d'Ivoire. Cette victoire aussi est à vous. J'aimerais confirmer aux Guinéens, le 22 février, j'arrive dans votre pays pour vous dire merci. Je serai présent à l'aéroport le 22 à partir de 16h. Je veux voir tous les Diallo. Tous les Diallo. Makoso Diallo arrive. Monsieur le président de la Guinée, je me mets au garde à vous. Je viens de vous dire merci pour le soutien de votre peuple. Je viens vous dire merci pour ce nouveau, ce visage nouveau de la Guinée que je veux présenter au monde entier. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Dieu nous a donné un homme qu'on appelle Alassane Ouattara. Cette victoire, mettons la politique de côté, mérite un 4e mandat. Il y a beaucoup de choses à changer dans ce pays. Et nous allons les dénoncer pour que le président de la République puisse le savoir. Aujourd'hui, que vous voulez ou pas, il y a des milliers de pasteurs qui se plaignent de la direction générale des cultes pour ce système de vol organisé sur le pèlerinage que nous dénonçons depuis 5 ans. On nous empêche de parler. Il y a beaucoup de choses qui se plaignent face à la vie chère. Il y a beaucoup de choses, mais toutes ces choses, quand Dieu apporte sa faveur sur un pays,
c'est que des richesses inébranlables, je pourrais dire inébranlables, vont sortir de ce pays. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le temps est à la fête. J'aimerais donner un conseil aux Ivoiriens. C'est l'humilité qui nous a élevés. C'est l'humilité qui nous a donné la victoire. Restons humbles. Ne nous moquons pas de certains pays voisins. Restons humbles afin que cette victoire ne soit que la première et que Dieu permette que la Côte d'Ivoire devienne la première puissance africaine à pouvoir remporter la Coupe du Monde. Que Dieu bénisse les Ivoiriens. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse son excellence Alassane Ouattara. Shalom.